On a passé un petit moment avec vous. On est allé au théâtre. On vous a accueilli d'ailleurs au théâtre l'un comme l'autre. Et c'est Laurence Boulay et David Fonsard qui vous ont accompagné au cours de ces moments. Théâtre. Mon rêve de jeunesse, eh ben voilà, il est exaucé. Me voilà dans un théâtre avec une pièce que j'ai écrite et que Jean Piaget. Oh, mais quel bonheur, mais quel bonheur! J'aime mieux un théâtre plein qu'un théâtre vide. Mais enfin, quand il est rempli par moi, c'est déjà quelque chose. Alors, ça, c'est idéal. Et en plus, je ne dérange personne, j'ai horreur de déranger. J'aime pas être trop près, moi. Parce que là, je trouve qu'on est à peu près le regard à la hauteur du plateau. J'aime pas être comme ça. Dans la vie, j'ai l'air très gai comme ça, mais je ne ris pas facilement. Je te demande pas mieux de rire, mais je ris peut-être plus difficilement. Parce que les choses, on voit certaines choses, on voit arriver des choses. J'ai toujours le souci de comprendre pourquoi on rit. Je décortique une chose. Il y a longtemps que je n'ai pas arpenté une scène. Je ne veux même pas regarder et imaginer qu'il y a une salle, qu'il y a des gens qui peuvent me regarder. Non, vraiment. Mais je prends plus de plaisir à jouer et à être sur scène que dans la salle. J'adore être sur scène. Mais alors, moi, ce n'est aucun regret. Non, c'est mon stylo, oui. Oh, enlevez-moi les projecteurs, mais pas mon stylo, surtout. Du temps restreint où j'ai fait de la comédie, j'étais paralysée par le trac. Pour moi, le meilleur moment, c'est quand je salue. Ah, là, je suis contente. C'est mieux quand il y a du monde. Ah oui. Mais cela dit... Ben, c'est beau quand il n'y a personne aussi. J'ai le trac les premières fois, bien entendu, parce qu'on lance un bateau et on ne sait pas s'il va prendre la mer. Mais parce qu'entre un triomphe et un échec, il n'y a pas tellement de différence. Il y a une différence de fréquentation. Mais il y a un mot de Vos que je trouve admirable. Il disait, un triomphe, c'est un bide auquel on vient d'échapper. Quand Françoise est dans la salle, c'est quelque chose, ça vous... C'est terrible. Il a horreur. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que, si vous voulez, je ne prends pas de liberté avec le texte. Je dis son texte de A à Z absolument fidèlement. Mais je sais qu'elle est tellement en attente de tout recevoir. Mais moi, ça me déconcentre. Et elle vous fait des reproches après? Non, elle n'oserait pas. Oh non, non, mais non, ça non. Se sent. Elle n'a pas besoin de parler. Oh oui. Vous dans l'œil. Ah ben, il était temps que je vienne. T'es encore en train de trafiquer mes textes? Oh non, pas du tout. Non, non, j'ai changé une place d'un truc, mais c'est tout. Non, 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 c'est la même phrase. Je déplace une conclusion. Ah bon, si, c'est comme une chaise. Alors ça va, tu peux. Voilà, ça, c'est ma deuxième partie. Et ça, c'est ma première partie. Mes petites affaires sont prêtes.